Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait le chat là? Merde. Il fait des dingueries à côté de moi, merde, attention. Ok, alors. J'ai essayé un truc, bon, en gros c'est de ne pas mettre de casque. On verra bien ce que ça donne. En fait j'ai l'impression de parler très fort. Transition, spams. J'ai l'impression de parler très fort, merde, j'ai tout pété. Ça dit quoi? Ça dit quoi l'équipe? Hein? Hop! Voilà, on est bien, je pense. Voilà. C'est ok. Du coup, c'est vrai qu'il y a une nouvelle mise à jour d'OBS que j'ai déjà fait, apparemment. Du coup, c'est bien. C'est justement, je regardais la vidéo par rapport à la mage. Et en fait, bah, si je l'ai déjà fait, on s'en balèque, hein. Bah si, je la regarderai quand même évidemment. Alors je voulais faire en fait non c'est chiant, je vais mettre le casque. Le casque c'est cool. Hop. Pas déconner. Hein. C'est cool mais pas déconner quoi. Hop hop. Parce que j'étais sur l'enceinte là. C'était sympa mais m'entends trop en fait. M'entends trop. C'est quoi? C'est HyperX? Et puis lequel HyperX? Celui-là? Ouais, c'est bon. Oh! Oh, musique épique, oui, qualitative. Sur l'enceinte, c'est bien, mais si tu mets une enceinte très peu faible, très peu forte, moi, merde. Je me sens plus à l'aise, tu vois. Je me sens dans ma bulle. Et ça me fait plaisir. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'utilisation du casque. Je me sens plus dans ma bulle. Dans ma Bulma. Voilà. Comme ça, on est bien. Oh le chat. C'est des dingues, je te pousse. Voilà. Ce que j'aimerais bien faire, c'est. En gros. Avancer le jeu. En fait, je voulais juste chill. On parle et tout. Et en même temps, je publie les vidéos. Sauf que c'est un peu chiant. Et en fait, si je me concentre sur autre chose, et en fait du copier-coller entre guillemets et imagination de texte, c'est un peu chiant. Surtout que bah il se passera rien. Après, la discute, il se passe peu de choses généralement. Et je suis pas assez équipé en termes de widget, de trucs du genre, tu vois, de trucs qui fait de l'interaction. Faut que je fasse un gros travail là-dessus, faut que je m'améliore. Comment dire, sur plein d'aspects, et en fait, il y a tellement trop de trucs que ça me. Waouh, ça me casse la tête, quoi. En fait, j'ai envie de me développer sur. Waouh, c'est fort dans ma tête. C'est fort dans ma tête. Je vais augmenter ici parce que je vais descendre ça. Après, il y a le son global de l'ordi. Hein. Je change rien du tout. Ok. Alors, j'ai diminué. Comme ça, c'est parfait. Augmenter ça un petit peu. Parfait. Que je me développe sur Twitch. Je regarde un peu pourquoi il y a de l'ombre derrière moi. C'est ça qui est trop powerful. Capte-toi direct, toi. C'est bon? Non, il y a encore l'ombre. Un peu moins. Un petit peu moins, donc c'est pas grave. J'arrête de regarder la lumière dans les yeux, ça me pète les rétines là. Waouh! Que je me développe sur Twitch, essentiellement. Et que quoi? Et que je. Me développe sur YouTube. YouTube, c'est un peu chiant, parce que bah, y a les VOD qui. Voilà, il y a quelques vues, etc. En fait, il y a un petit peu autant de vues que les rediff. Non, mais. Deux fois moins de vues que les rediffs qu'il y a sur YouTube, sur Twitch, pardon. Donc Twitch, bah, c'est temporaire, alors que YouTube, je passe ça là-dessus et on est bien. Alors je me demande comment ils font pour stocker autant de vidéos. Ouais, bon, c'est un autre problème ça. Ok, je voulais changer de registre de musique, alors j'ai mis des musiques épiques de jeux vidéo. Voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On va faire attention que la qualité ne décède pas les 144 parce qu'on s'en bat les couilles.
Merde, pardon, je meurs. Ah non, my bad. C'est le décès, j'ai pas d'eau. Wow. Mérite un Oscar. Créer clip, est-ce que le clip fonctionne? Oui, c'est fonctionnel, c'est ok. Bon, on va stream, il est quelle heure là? 15h15, boop, bip, peu importe. 5, 6, 7. On peut stream 2h, 2h30. 3h max. 3h max. Mais voilà quoi. Donc on va pas trop tarder. J'ai diminué le son de ma tête. Voilà. Je pense qu'on va lancer le jeu direct. Je vais regarder pour exporter le jeu en fait. Pour exporter le jeu. Et le mettre sur itch.io. Itch.io. Itch.io, je sais plus. Pour en fait le mettre en téléchargeable quoi. Pour qu'il soit dispo pour les gens. Sauf que je trouve pas comment juste tu télécharges le .exe et tu joues. Je cherchais d'autres jeux. J'ai trouvé un mec qui faisait un jeu en 8 bits, tu vois, genre 8 pixels par 8 pixels. Un truc en top-down, un peu comme ce que j'ai. Et en gros, ça a été un truc super dans l'ombre et tout. T'es un genre de mineur, je crois, et puis tu mines, tu trouves des petites ressources, etc. Tu forges, un truc de forgeage, tu trouves des nindes, et tu peux avoir des délires de montagne et tout ça, et c'est sympathique. Mais je crois que j'avais qu'une des. Genre la V02, tu vois. Et en fait, comment dire? Le jeu, quand je l'ai téléchargé, c'était uniquement un .exe. On pouvait jouer en ligne, mais en ligne, sur le web, mais c'était pas ouf. Et généralement, ça rame. C'est juste pour avoir un aperçu du jeu. Mais ça rame un peu, quoi. Je sais pas si c'était mon PC ou navigateur, le jeu, hein, mais. Alors, c'est comme si tu jouais à Valo sur Firefox. Pas fou, tu vois. Et du coup là on va essayer de créer un peu plus de choses, un peu plus de avancer quoi, au moins faire un truc un peu plus pour faire une première release du moins uniquement sur le donjon pour que le donjon soit ok. Parce que en fait c'est pas que j'ai envie de bâcler le truc, plutôt de le boucler. Alors, c'est-à-dire de le terminer quoi. De le terminer, voilà. On a quelques menus dans le jeu. Bah, il faut faire quand tu appuies sur échappe au lieu de freeze le jeu total et que tu peux accéder à quoi que ce soit. Et bah, tu es un truc qui te permet de rack. En gros, tu appuies sur échappe, il y a un menu, tu peux quitter, tu peux reprendre. Mais si tu quittes, il faudra perdre l'avancée, etc. Ah, blabla, mais ça c'est pas compliqué. Il faudrait que je fasse un système de sauvegarde. Mais avant de faire un système de sauvegarde, il faut au moins avoir quelques bases de trucs à sauvegarder. Parce que voilà, c'est complicado. Et pour. En fait, comme on peut pas sauvegarder dans le donjon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Et ben, il faudrait que ça sauvegarde quand tu as fini le donjon, tu vois. Quand tu as fini le donjon. C'est-à-dire que pour finir le donjon, il faut un boss. Pour faire le boss, il faut un boss. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va... Et déjà, il faut des ennemis. Avant d'arriver au boss, il faut des ennemis. Donc on va faire, on va modifier l'ennemi qu'on a déjà. Et on va en faire un perso. Je pense qu'on peut mettre le même délire que notre perso actuel, mais un peu différent, quoi.
Normal, normal, vous allez me dire. Il faudrait que je claque des animations aussi dessus. Vous êtes un peu chiant. Ce que je peux faire. Vas-y, je sais pas ce que je peux faire en fait. Des idées, mais c'est compliqué. Des idées, mais c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment compliqué? On va voir, on va voir. Transition, super. Voilà, perfecto. Je enlève le mode studio, comme ça je vois ce qui se passe. Parfait. Actuellement, Extreme Element, Wizbot, Nightbot. On est bien. Alors, le clavier est fonctionnel. Concrétisation des donjons, c'est le titre du stream. Puisque, à l'heure actuelle, nous avons le petit menu. J'aimerais bien ici mettre quelque chose. Genre, je sais pas, un truc bien, tu vois. Ou perso, ou une petite animation. À voir. Si tu joues, tu arrives derrière dans le donjon, on a l'arme qui suit le truc, et quand tu tapes, ça tape quoi. Il faut pas mettre j'incurve un peu les petits l'épée. On va faire ça tout de suite. Alors, pour incurver un petit peu l'épée, il faut dans Characters, Player Scenes, dire en fait à notre sword ou truc weapon tout simplement transforme rotation. Non, c'est bien dans épée, faut le rotationner et il faut mettre voilà. Comment je fais pour modifier l'emplacement du point? Comment je fais? C'est quelle touche? Quelle touche? Tac tac tac. Ok, weapon. Scale index machin truc là c'est 0,0 ici et sword voilà si on le remet bien c'est plus logique comme ça. Ah ouais, j'aimerais bien que ça soit un petit peu en biais tu vois, ça fasse un vrai slash parce que les pieds tu la tiens pas comme ça tu vois. Un petit peu sur le côté, et puis et voilà, il y a un petit angle quoi. Petit angle, j'aimerais bien le faire là-dessus. On floor activé, non. On jet, non. Rotation offset. Ça change pas, ok. Rotation degrees. On peut juste faire ça peut-être. Hein. Est-ce que ça pète tout? Ah mais ça nous remet à l'endroit le truc en fait. Ça serait bah oui, la rotation de grise, c'est ce qui fait que ça bouge. C'est ça qu'il faut modifier. Voilà un petit moins 25. Un petit moins 25, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, quand on est là, il faudrait que l'arme rotate aussi. Genre que, en fait, la rotation. Ça fasse qu'en fait. Là, ça va.
Ouais, il faut changer l'axe en fait. Faut mettre la rotation en négatif. Ouais, il faut faire fois moins 1. Ouais. Si c'est déjà négatif, ça devient positif. Si c'est que positif, fois moins 1, ça fait le même chiffre mais en négatif. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Du coup, c'est dans Player. Process, voilà. On va choper le truc qui s'appelle weapons. Weapons. Point rotation degrees. Fois égale moins 1. Pas moins 4, mais moins 1. Test après mise au point. Tac, tac. Pourquoi ça marche pas? Moins 90, bah faudrait faire moins 180 plutôt. Moins 180. Ah non, j'ai mis. Non. J'ai mis égal moins 180, ça veut dire que le truc il va bouger. Donc non. Si c'est d'un côté. Bah, non, c'est même pas moins 180 parce que si on est en diagonale comme ça, le souris est du côté là. Si le truc est là, la souris est là. Dès que ça passe ici. En fait, c'est dès que ça passe en dessous. Attendez. Bon, on va tester ça, mais c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Là, ça va rotater à l'infini, là. Ah, si, peut-être, hein. Bah, non. Là, ça le met de l'autre côté, mais. Bims. Ouais, c'est ça, en fait. Si t'attaques là, t'attaques dans l'autre sens. Attaque dans l'autre sens. Est-ce que si je remets mes fois moins 1, ça fait la même? J'ai pas test ça. Ah, c'est dès que. Ah, c'est pour éviter d'avoir l'arme en dessous, mais est-ce que c'est grave? Pas moi. Je pense pas. Comment ils font dans le jeu qu'on a. Que je regardais au tout début là? Celui-là, non? Ouais, c'est ça. Moi, je veux un truc du genre. Ouais, bon, déjà, il a une petite main sur son truc. Et là où il pointe, l'épée est en fait un petit peu devant, en diagonale comme ça. Et. Si l'épée est en dessous. Oh, on a vu l'aimant qu'on voulait. Vitesse de lecture 0,25, ok. On va couper le son. En gros, il faut checker sa souris. Il tue tout le monde. Voilà, l'épée est devant, elle bouge pas. Et il va mettre son curseur en dessous là.
Voilà, ce l'épée est en dessous en fait. Sauf que, ouais, elle va de l'autre côté. En fait, elle est là. En dessous. En fait. On va essayer de voir autre chose. Ça, c'est un bâton, c'est un peu chiant. Mais le bâton, il s'en bat les couilles, tu vois. Il... On revoit l'épée. Moi, c'est le débloque 1, mais moi, j'ai quand même bien le perso. Il vise vers le... Tu vois, là, il vise vers le bas. Faut que je fasse ça aussi, clignoter en blanc. Au lieu de faire de disparaître. Ah, il fait les deux, lui, c'est marrant. Ah ouais, mais il fait un grand slash, lui, c'est un truc de fou. Ok, moi je veux voir quand tu vises vers le bas. Ouais, bon, ça gêne pas tant que ça en fait, hein. C'est juste que... Je sais pas, c'est quoi la diff en fait? Ouais, c'est nul. C'est rotationné dans le mauvais sens là. Ah oui, mais c'est parce que c'était peut-être déjà en moins 1. Ou comme je l'ai... Voilà, c'est ça. Quand j'attaque là, il faudrait qu'il soit de l'autre côté, oui, c'est ça. On va l'avancer un petit peu en plus. Mais j'ai l'impression que son point de rotation il change. Bien. Vas-y, au pire, on laisse le 180. En fait, il faut rotater l'épée quoi. Je sais pas trop comment faire. Au lieu de ça, faut faire 3 80. Waouh, 1800. Peut-être y en a un où faut mettre plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, c'était ça le problème. Ah ouais, le délire. Le délire. Vas-y, on touche pas, et puis basta. Ici, en fait...
En fait, c'est le de la sword qu'il faudrait changer. Mais on peut pas. Oups, tant pis. Faudrait que ça fasse moins 1 sur le scale en fait. Mais la sword elle va péter les plombs, non? Si on fait la même chose que pour ça là. Scale. Fois égale moins 1. Tac tac tac. Ah oui, c'est scale. Voilà, oui, scale X. Juste scale ici, il va s'inverser. Et c'est pas ouf. Tac. Ok. Je savais que ça marcherait pas. Oups. Voilà. On va laisser abandonner ça. C'est pas grave, mais c'est pas grave. On va faire ça. Tac. On est là, le truc, notre curseur. Oui. Spion, 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 spion. Ok. On a dit les ennemis. On va aussi custom la salle de spawn. On va custom la salle de spawn. La salle de spawn, alors. C'est dans les salles, donc c'est une room. Et c'est la spawn room. Là, on peut masquer le collider parce qu'on est fou. Et en fait, dans notre timemap 1, on a ce qui s'appelle. Ah oui, attends, la map 2 déjà, c'est les portes. Peut-être les portes au bon endroit. Tac. Tac. Voilà. Corner classique 2. Voilà, c'est peut-être là. Tac. Et le wall. Le classique. Tac. Ah mais non, mais les portes, oui. Les portes, faut pas les mettre tout de suite. Faut les mettre après. Faut les mettre dans l'autre. Voilà. Oui, je suis sur la timemap 2 là. Ah. Ok. Parfait. Tous sur la map 1. Tac, voilà. Je me disais bien, il y avait un truc qui clochait. Les corners. Hop. Hop. On fera nos propres murs à nous plus tard. Mais là, c'est uniquement. En transe. Ah oui, mais il faut que je ça. Voilà. Hop. Parfait. Regarde, on cale ça. Normalement.
Un problème. Que lui. Ça. Ouais. Ah, c'est peut-être comme ça. En fait. Bah, ok, c'est sorcellerie. Hein? Ouais, hein. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Super. Là, c'est des vraies portes. Et que on arrive. Un côté. Tac, tac, tac. On peut récupérer la vie. On peut zoomer. Attends, on voit que notre truc est trop détaillé du coup. Par rapport à la queue de notre perso. Je pense que le perso faudra le faire, mais je le ferai pas solo. Et voilà, on a un petit animation. Et quand on est dessus, bah, ça nous dit Vmax. Voilà, tout simplement. Max, si on a la vie max. Et voilà. Et jusqu'où là? Jusqu'à la dernière porte. Hop. Flops. Je vais le suivant. On peut mettre une fleur. Ouais, là, t'as mis deux dans la une, je pense. On lui met une couleur. Ici. Regarde un peu. C'est verte, verte début du jeu, quoi. Débogage, tac 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 tac. Pas masqué. Couchage. Viewport. Les jeans, les guides. Règle. C'est vrai que ça va un peu à rien. Les Z. Les chaînes Canva, quoi. Et la grille, matisation cachée, affichée. Ah, okay. On va l'enlever. Chiant. Voilà. Faire comme ça, on sait le son. Il est vert moche. J'essaie de mettre un vert mieux. Non, trop sombre. Si on fait vert comme ça, pas ouf. Non, ou alors bleu peut-être. C'est peut-être mieux bleu. Ça fait gris, mais et on comprend? Non, on comprend pas. Cyan, voilà. Voilà, on va laisser ça, c'est bien. Flops. Voilà, on est pas mal. Si je réduis la taille de ça là. D'accord. Pas ouf. Ok.
Hop, hop, hop. Okay. Il faut que je fasse ça pour chaque salle. Ah, pas forcément. C'est pour la room originale. Ok. Ensuite, on a designé les ennemis sous la même forme que notre personnage. Donc on va importer là le nouveau perso. Nouveau perso. Il ressemble à rien normalement. Là, voilà. Rotate. Pas si on rotate tout. Voilà, ok, admettons. Et le layer 1 et le layer 2. Voilà. Et qu'en fait, on a tout ça là. On va le save dans new test mob et on va le resize 64 par 64. Ok. Ici 2 par 2, ouais, c'est ça, 2 pixels par 2 pixels. Ok, et si on fait ça. Voilà, on fusionne tout d'un coup. Ça fait des dingueries là. Quoi le délire? Ah non, il est tout moche. Il est tout écrabouillé. Ah, bah je suis obligé de rebidouiller ça. Ok. Tac. Tac. Là. Faire comme ça. Il y a des trucs bizarres ici. Ok. Après, ça resize le truc. Ça a forcément écrasé un peu. Voilà. Tac. Et merde. Voilà. Là aussi, pour faire la même comme ça. Arrête. Super. Tac, essaye
reproduire un peu ce qu'on avait fait, tant bien que mal. C'est qu'on n'avait pas fait de yeux. Ils ont pas de yeux. Ouais. Va avoir des yeux, messieurs. Voilà, 64 par 64, on a notre petit personnage. Et ce qu'on peut faire, c'est un layer par-dessus qui dit quoi? Qui dit que c'est un méchant. Donc c'est... Les icônes viewer, c'est quoi? C'est un truc blanc, un rectangle avec un truc tout rond. Voici blanc, mais... Normalement c'est rouge, non? Non, c'était pas rouge à la base. On va le mettre rouge quand même. Voilà, on va mettre rouge. Tac. Hop. Voilà. Bon, on lui met quoi? On lui met des yeux rouges. Comme ça. Spams. Spams. Et voilà. Et on met quoi d'autre? Du blanc comme ça. Et on dessine au milieu un truc tout rouge. Tac, comme ça. Le petit rond, il est pas bien. Voilà. Voilà pour dire que c'est un viewer. C'est bien ça. On va lui mettre un petit futal quand même. On n'est pas des sagouins. On n'est pas des sagouins. Comment on peut faire ça? On n'est pas des sauvages. Hop. Voilà, et puis on peut reprendre ça, je pense. On dirait qu'il est en pyjama. C'est vrai qu'il est en pyjama. Si je mets. Si on met tout en blanc. Si on met tout en violet, peut-être. C'est trop foncé. On peut transformer ça en blanc, peut-être. Hop. Quoi? Tac. Hop. Comment on peut faire ça? Ah oui, on peut mettre tu sais, un œil de... Euh...
Ah, vous voyez? C'est quoi Twitch là? Ah oui, ok. Avant, le design des vues, c'était un petit œil. Je pense du coup, on peut reprendre l'œil là pour faire un gros œil. Ça peut être un gros nœud, tu vois. Comment on fait un gros nœud? Tu sais, à la Sheikah, genre. On va regarder. Sheikah. Comme ça? Waouh! Y'a un H. Là, what the fuck? C'est bon. Image. Sheikah logo. Voilà. On va pas mettre. On va pas le mettre directement, mais. Ouais, c'est stylé quand même, hein. Beaucoup. C'est quoi? C'est un rond qu'il y a dedans ou c'est un losange? Enfin, pas un losange, mais un ovale. On dit que c'est un ovale avec un rond dedans. Ouais, tout simplement, hein. Tout simplement. En fait. Pas très cool. C'est pas ça, quoi. Aïe. Arrête de ronfler le chat. Hop, tu rechanges le truc. Ça. En plus gros comme ça? Okay. Bizarre, non? On dirait Amogus, tu vois. C'est mieux là. Ok, hop, on sélectionne ça. On le cale comme ça. Comme ça. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas prévu ça. Non. Tac. Après, si j'arrive à faire ça sur Photoshop, ça peut être quand même mieux. Mais c'est pratique de le faire ici. Après, ouais, on peut faire ça. Ouais, je pense qu'on peut faire tout en fait. Oh non. On peut faire tout et on fait des nuances de couleurs après. Ça, c'est ce qu'il faut faire, hein. Et ensuite on prend ça.
Là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Si. Ça. Hop. Ça. Ah, c'est pas mal. Ça, hop. Vas-y, c'est bien, on va pas, je vais pas me casser les couilles avec ça trop longtemps. Export, single frame. Voilà, du coup on retourne dans le jeu. Le jeu, les assets. On va appeler ça comment? Vas-y. Je sais pas, mobs. Voilà, hop. Mob 1. Tac. Retour dans nos monstres qui sont en fait les viewers. Donc enemies. Viewer. Pas sur la scène du viewer. Voilà. On avait changé ça. Ce qui n'est pas du tout le bon truc. Hein. Vous l'aurez compris. On va faire charger asset mob. Oh! Ah, big. Sprite frame. Oui, voilà, c'est ça. En fait, asset mob. Tac. Il est aussi petit que ça. Ça fait quoi si c'est si petit? C'est grave? Ouais, on dirait des petits bébés, ça fait peur. Et parce que du coup j'ai diminué en fait ça sur du 64 par 64 et le perso il c'est de la merde. Ah ouais. Scale de 2. Hop là. Ah bah voilà, en fait, il est déjà deux fois plus petit. On est mieux là. Collision de shape. Ça. Ouais, je pense que c'est bien, ouais. Et du coup, notre joueur, il est tout pas beau. C'est grosse. Il est presque plus grand que notre truc là. Et puis c'est trop grand. Ça va pas. Ça va pas.
Ça va pas, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? Je zoome sur mon perso là. On voit qu'il y a un petit problème quoi. En fait, notre perso il est plus grand et on l'a réduit. Et on a fait l'inverse pour les mobs chelous là. Leur couleur ça a pas du tout leur couleur. Après je peux mettre tout ça en plus foncé et l'œil en blanc. Ça aussi je mets tout ça en blanc. Et du coup ça fait des mobs tout noirs quoi. Donc le truc c'est que faut resize ça en 128 en 128. Voilà, comme ça on le réduit de 2 et il est joli. Il y a plein de trucs qui vont pas bien. Hein. Voilà. En gros, chaque pixel qui ressemble à cette couleur que bien presque noir. Voilà. Je sais pas. Inverse. Allez, ok. On lui dit que on reprend cette couleur là. On reprend cette couleur là. Voilà. Tac. On va laisser quelques pixels en fait, mais pas trop non plus. Sinon. Voilà. En fait, on va presque assombrir la tête, quoi. Là et dedans. Ça. Ensuite, on delete le tout. On inverse et ça, tac. Ici. Pour supprimer. Alors. Alors, on va faire un truc du genre. J'aime pas, j'ai horreur des trucs précis. Précis de loin, et en fait. Ouais, je peux zoomer, machin. J'ai pas du tout éternué. Je suis un mec qui éternue pas. Hein.
Oh, de Zeus. Oh. Hop. Je vais essayer de terminer ça aujourd'hui en fait. Au moins les mobs et le boss. Ça sera prochainement. Voilà, en fait ça me fait du bien de stream. Parce que du coup, même s'il n'y a personne, je parle. Et c'est de parler qui fait que ça expulse un peu mon énergie. Parce que si j'ai trop d'énergie, ah ouais, je fais plus rien. C'est bizarre, hein? Alors, on descend ce truc-là. Oh, ok, c'est sans salarié encore. Pourquoi il se passe des dingues? Ah là là. Pourquoi c'est devenu transparent? Ah, normal. Rien dit. Rien dit. Du coup, le rendu, c'est ça. C'est un peu marrant en vrai. Sympa. Voilà. Et là, j'importe pas du tout. Je save, j'exporte la frame. Ici, parce que notre perso, vraiment pas ouf. Je retourne dans mon trooper. On voit qu'il est un petit peu trop gros. On le resize. Il y a un qui va, c'est pas grave. En gros, je supprime ça et je rajoute. Voilà. Là, il devrait être un petit peu mieux. Voilà, déjà en termes de qualité, on est un peu sur la même. Bon, difficulté, c'est pas ça encore. Et le knockback, encore moins. Là, les cœurs, il faut que je reprenne cela. Faut que je reprenne ceux là-bas. Hop, donc le mob, c'est bon. On va juste dire que. Change de côté en fonction de là où il va, quoi. Velocity. Alors, la direction. Knockback. C'est dans la direction où il va. Donc, si je fais direction normalize, if direction normalize est inférieur 0, alors animate sprite et on peut le rotate. Push. Ah oui, il faut. Animate sprite h true. Ah oui, point length normalize point length point Lange. Voilà. Et on met un sinon. Et là, on le met en false, quoi. Sinon. On le désactive. Test. Test, test, test. Marche pas.
Tac. Ah, ok. Et en fait, c'est censé ressembler à quoi? Même pas que je le mette ici, en fait, faut que je le mette dans la classe ennemie. Dans la classe ennemie. Okay. La Velocity. Ah, voilà, donc en fait, voilà, c'est dangereux. Pas reproduire à la maison. Mais comme je suis un peu débile, j'en ai besoin. Parce que normalize, ça fait quoi? Ça nous envoie sur la doc. Voilà, faut pas qu'il y ait d'erreur pour mettre sur la doc, c'est ça. Retourne le vecteur dans une unité de longueur équivalent à V sur VLength. Donc, vecteur sur la longueur de la vecteur. Et ce que je remets, c'est length. Retourne la longueur magnitude. Ah, ok. Donc on reset ça. Tac. Ok, un ennemi. C'est 1. Toujours 1. En fait, c'est constamment 1. Ok. Constamment 1. Et... Mais uniquement Léange. Ok. Ça. En 30. Oui, c'est juste la vitesse, quoi. Et si on prend sa position, moins celle du truc. En, sa position en X. Si, mettons, il y a 0, notre personnage il est à 10, notre ennemi il est à 20, on fait la position de l'ennemi moins la position du joueur, et on fait l'inverse, que si c'est l'inverse. On fait l'inverse. Donc, si on prend le player, mais comment on chope le player? LGA player. Donc si on met player point global position. Global position moins global position de la chose courante. Voilà, c'est tout. Je vais faire ça. Pas exploser, mais c'est pas grave. Ok. Moins 0, moins 0. Ça nous donne un vecteur. Si tout ça, on lui donne une longueur. On récupère sa longueur. Là c'est positif. Jamais c'est jamais négatif ce truc. Normalized.
X est négatif. Voilà, donc admettons, on prend ça là. Tac. Var dir égale ça. Zoom. Zoom, tac. Print dir. Tac. Tac. Et tac, tac. Si dire à 0, alors on retourne. Sinon, non. Et on va enlever le print parce que ça sert à rien. Hop, tac, tac. Oh! Dire X. Ah, pourquoi ça marche pas? Un peu plus gros que mon perso en plus. Hop hop. Passer dans le débogueur. Voilà, on va l'afficher, comme ça on va voir de quoi ça en découle. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est normal. C'est débilos, en fait. Complètement débilos, le loulou, putain. Ouais, j'avais enlevé les mauvaises parenthèses. Enfin, j'avais trop de parenthèses. En fait, là, j'avais mis la position du joueur moins la position de l'ennemi normalisée. Du coup, ça faisait un truc totalement faussé. Là, ça devrait être bon. Pas bon, c'est pas grave, mais... Ah, c'est bon. Bon, il bouge pas les patounes, mais c'est pas grave. Tétéon, tétéon. T'étais en. Péan. Bon, le knockback aussi. Ah, ça merde un petit peu. Ah, je pense qu'il faut prendre la direction. Ça, je pense. Oh. Box. Alors, nanana. On retourne dans notre c'était quoi le script d'avant? Il est où? Ah oui, il est là-bas. Ah, c'est la vélocité. Mais ça, c'est pour son hitbox à lui. Pour l'hitbox du méchant. Que si tu touches à une box, piou, expulsé dans la direction où le mec regarde. Pas ça encore. En fait, il faut que je mette dans player, weapon.
Tac, move, ça, machin. Écoute, ça fait attaque. Voilà, knockback direction. Ça prend la dernière direction du joueur. Pas ce qu'on veut, quoi. Ça doit prendre la cible touchée. Comment on fait pour détecter ça? En fait, je pense qu'il faut choper la direction. Ouais, c'est chiant, hein. On regardera plus tard pour ça. On regardera plus tard pour ça. Ça. Là. Perms. Et un petit peu gros. 0,45. 0,45. Voilà, la colis. Pas abusé. Hitbox non plus. Voilà. Tac. Fait. Voilà. Maintenant pour les drops. Ça drop autre chose que ce truc là. En fait, il faut que ça drop soit un quart, soit un demi, soit trois quarts, soit en entier. Un des quatre, quoi. Comment faire ça? Je sais pas. Ou alors ça drop que des demi-cœurs. Faire ça. Ça drop que des demi-cœurs. Dans ce cas-là. Faire. Alors, il faut que j'aille chercher mes dossiers. Les cœurs 2, 23, celui-ci. Voilà, je vais le rogner. Voilà pour atteindre le demi-cœur, je pense. Tac. Tac. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'enregistre une copie. Dans mes assets, half earth, voilà, demi-cœur. Hop, ça, on est bien. Et dans nos trucs, ça s'appelle item. Oh, le chat arrête de me pousser. Quelle heure? C'est 1h15, ok. Dans notre truc qui s'appelle item. J'ai mal géré le truc, mais c'est pas. Ah non, j'ai mis item GD. Ah, j'étais dans le script ici. Bad. Item scene.
Sprite, en fait. C'est pas celui-là. Pas beau. C'est pas beau. C'est Demaker. Voilà. Et en vrai, on peut agrandir la. Voilà. Et le nombre de cœurs rendus. On va voir. Au 5. On va créer une variable, de toute façon. On va appeler export var. C'est comment qu'on doit faire? Comme ça, c'est float var il 0,5 et on va appeler ça il. Voilà. Tac. Normalement, si on clique ici, voilà, on a le il de 0,5. On joue. Hop. Non, ça ne bouge plus. Voilà, c'est un petit peu mieux déjà. On a des vrais trucs. Je pense qu'il faudrait mettre, tu sais, un. En dessous. Eh bien, il faudrait faire des murs un peu plus pixelisés. Bug. Ah, j'ai de la vie. Tac, tac. Et l'autre, il était là. Max. Ah, c'est parfait. Je peux peut-être augmenter le rayon. Je pense que si on est là. Voilà, faudrait augmenter le rayon, je pense. Le rayon de ça. Tac. Voilà. Et mettre une petite ombre en dessous. En dessous, là, on ajoute un polygone. Non, juste polygone, hein. Voilà, on l'appelle shadow color noir et transparent et voilà. Oups. Oups. Voilà, texture, on s'en fout. Parfait. Peut-être encore. Voilà, très faible. Très faible. Péance, péance, péance. Ah ouais, mais il va derrière l'ombre, le con. Bête ou quoi? Sans de l'ombre. Et animation player. Et en mode idle. Trop bas là. Hop. Ah. Moins 1. Il y a combien ici? En haut?
Ah bah oui, bah non. 1.5. Voilà. Ok. Peut-être à 2 alors. Pourquoi il fait? Oh, ouais. C'est Yeah. Non. Pique. Pique, c'est bien, mais c'est chiant. En fait, il faudrait que je mette. Il y a combien? Il y a 8. Donc 16 plus 8, ça fonctionne comme ça? Oh ouais, ça fonctionne, c'est excellent. Et si je mets un point ici, le même que lui. Et un point, c'est une clé. 0. Lui. Lui à 0. Non, bah lui on supprime alors. Ça sert à rien. Mais ça fait quoi? Ok, si on met un petit peu moins. C'est bien, et si on met du coup R, moche, proche, pic, pic. On peut vraiment pas. Il y a forcément un autre truc. Ouais, c'est comme ça. Tac. Merde. Hop. Ah, c'est sympa. On peut mettre peut-être une petite lueur. Est-ce que ça peut être sympa? Comment on fait? Light. Light. Cast light into the environment ou increase light cast by blending casting shadows. Non, on fait pas de shadow, on s'en fout. Énergie. Comment on peut voir ça? Color, rouge. Comme ça. Add, ouais. Énergie, ça me met à fond. Non. Et texture. Non. Ah, il faut forcément mettre une texture. Charger. Ok. Wow. Ça brille comment? Je me rends pas compte vu qu'il y a rien. Oh putain! D'accord. Ah oui, c'est. Voilà, c'est puissant. Non, 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 si on met de base. Ok. Énergie. Ah oui, mais c'est l'énergie sur lui-même du coup. En étant la texture.
Ah oui, parce qu'il y a, oh, y a rien au sol en fait. Ah ouais. Il y a rien au sol, forcément. Forcément, il capte pas des masses quoi. Si je mets juste deux fois plus gros que lui. Et une scale normale. Bah, quand je passe à côté, je deviens rouge aussi, quoi. C'est un peu. Oh. Et ouais, du coup, ça va pas. La texture, faut l'enlever et faut mettre une. Gradient texture. Hop, gradient texture. Comme le gradient. Gradient. Et en fait, dans. Le rouge. Ok. Là. Pourquoi c'est si large? Sans. Peut-être même beaucoup ça. Hop. Ça fait un carré, c'est un peu chiant. Ressources? Non, raw data? Non. Ok, éditeur en ligne. Non. Mode, ah, range. Ok, shadow. Non. Transforme, machin, on s'en fout. Là, ça fait quoi, là? Ok. Il ne faudrait pas que je perde de vie, en fait. Non, j'ai changé depuis. Bon, je relance. Tac tac. Ouais, bon. Putain, j'arrive pas à les tuer sans prendre de dégâts. Merde, j'ai quitté le jeu sans faire exprès. Arrête la zone. Ouais, là, ça fait un carré, quoi. Ah, je suis passé à l'étage suivant. Ok. Voilà, voir ici. Faire un gros truc comme ça là. Ah. Ok, si on a le constant, qu'on met Néar. Okay. Lui là comme ça mais transparent de ouf. Okay. Je crois que c'est linéaire en fait.
Pas qu'il soit linéaire, c'est sûr. Si je supprime la texture, il me faut juste. Je peux prendre ça en vrai. Hein. Ouais, il fait toujours des dingueries. Hop. Voilà. Ok, admettons la texture elle est bien, offset, color, énergie, add sub. Non. Non. Masque. Non. Château, non. Énergie. Énergie que ça donne. Ouais, en gros. Pas mal, mais hop, je suis à 0 ici. Et color, en vrai, un truc un peu transparent. En fait, il faut juste une texture. Un sol aussi. Pas de sol. C'est quoi en sol? Tac. On va chercher un sol. Flore, alors. Pixel art. Dungeon floor. Hop, hop, hop. C'est classico, hein. Classico. Ah, ça c'est bien, ça j'aime bien aussi. C'est sympa. Ouais, j'aurais dû mettre top down, mais c'est pas grave, il y a des trucs intéressants. Juste. Tac. Peut-être un peu beaucoup blanc. Je sais pas. Non, c'est bien comme ça. Hop, et là on met du. Ombre. Non, c'est chiant ça. Ça. Tac. Voilà. Oh non, il y en a ici. Hop. Hop. Et là, on peut faire. Un truc range. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Il est sous le plaid en boule, c'est trop drôle. Il m'embête. Drôle, mais il m'embête. Un petit filou. Hein. Alors, ça c'est sympa. Pipiloup piloup. Si j'arrive à reprendre ça.
Yo Pixies, hello hello, je passe un peu vite fait, comment ça va par ici? Écoute, ça va bien. Je suis tout seul là. Et bah ça va bien. Arrête, je stream parce que ça m'énerve. Je stream. Et puis en même temps, comme je parle, alors que si je suis tout seul, je parle pas. Et bah ça me donne un peu plus d'énergie pour faire des trucs. Du coup, ça stream parce que. Qu'est-ce que c'est toi? C'est le chat, mais c'est toi! Mais pousse-toi! Et comment ça à toi? Ouais, je suppose que t'as compris ce que j'ai dit, mais Mais voilà, on est bien. Il fait nuit très tôt et c'est chiant aussi, ça, j'aime pas. Ah, je vois, c'est relaxant de pas parler. Pourtant. C'est relaxant de pas parler pourtant. Bah, oui et non. Parce que. Je sais pas. En fait, j'ai envie de faire des trucs. Et. Et voilà, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est un sentiment particulier. Genre, bah, t'es en stream, les gens, ils peuvent voir ce que tu fais, etc. Et en même temps, tu parles, t'expliques ce que tu fais. Si jamais je dev un truc et que je parle en même temps, bah, ça m'aide à débloquer des problèmes, tu vois. Je suis d'accord sur la nuit là, fait un peu chier. Ouais, ça c'est chiant. J'avais dû fermer les volets et puis rajouter une lampe. Alors qu'il faisait un petit peu jour. Parce qu'il faisait trop jour. Et là, 1 heure après, il fait trop nuit. C'est trop chiant. Du coup, news du petit jeu. Il avance pas mal. Je sais pas si t'as vu la dernière fois, on avait fait ça. Il y a un petit hub avec des bâtiments que j'ai pris d'un truc. Un peu de fumée, c'est rigolo. T'as le petit bouton là, c'est juste pour remettre le menu. Et en fait, tu peux jouer. Voilà, t'as le spawn, t'as l'épée qui suit ton curseur. Et tu peux les goumer comme ça là. Bang, bang, bang. Voilà, ça, tu peux zoomer aussi. Tu peux dézoomer, mais voilà, faudrait que je bloque ça. Parce que tu peux voir les autres trucs. Hop. Récupérer de la vie, petite animation sur le cœur. Et là, je fais un sol parce que je veux faire une petite lueur autour du cœur. Et si j'ai pas de sol, ça marche pas. C'est ce que je suis en train de faire. C'est vrai que déjà, ton setup était mal éclairé. T'as pas pu t'aider. Bah ouais. T'as pas dû aider. Mais en plus, avec ces petites grosses lampes là, en vrai, c'est pas mal. Ça a changé. Oui, bah le jeu a pas trop changé, c'est plus, y a plus de contenu quoi. Et là j'essaie de faire un sol en 2 spi, mais j'arrive pas forcément. Merde, j'ai trouvé deux trucs. Putain, je me trompe de touche. Hop. 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 Voilà, ensuite tu vas dans les paramètres, time mode, enable time mode, et voilà. Ça fait un sol, tu vois. Ça fait un sol, est-ce que c'est intéressant? Pour changer la couleur du sol, donc c'est pas trop grave. Ça passe quand même quasi à du double Z là, petit décor et tout. Bah, il faut bien, ça va pas être un truc cramoisi non plus, hein. Bah, faut pas déconner. Merde. Faut pas déconner. Faire un truc un peu bien. Hop, on exporte ça. Ah ouais, c'est rapide de faire un sol. Bah ouais. Hein. En plus, je l'ai fait blanc parce que là, je pourrais changer la couleur du sol si je veux. Select frame export, vas-y, on exporte ça. On va là-dedans, on va dans tileset. On dit floor. Voilà. On retourne dans le jeu, on va mettons sur le spawn ou dans la room. Dans une room. Room. La room 0, elle est où? Elle est là. On crée une nouvelle time map. Time map qu'on appelle floor.
On met combien en dessous? En dessous, c'est au-dessus. Paradoxal, mais c'est comme ça. Et là, on met un floor, pour tout. Hop, taille 7, taille 7. On clique sur la taille 7. Ah non, mais on a déjà des tailles 7 existantes. Donc, on retourne dans le floor. Pratique ce site. Oui, ça c'est cool. C'est ce qui me fait un peu retenir sur ce site parce que tu peux changer la couleur d'un pixel en un autre. Enfin, la couleur de tous les mêmes pixels dans une autre couleur. Tu peux faire du 4x4 sur ton curseur et tout. Bah, ça va, Photoshop pourrait le faire aussi. Mais t'as un mode tuile qui fait que ça te fait plein de trucs autour. T'as quoi d'autre sur ce petit style sympathique là? Tu peux faire ça là. Ça c'est sympa en gros. Ça te fait des petits quadrillages comme ça. Et en pixel art c'est sympa. Bon, t'as les trucs de base, tu peux clone machin. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est tout, hein. En vrai, ouais, ça change pas beaucoup. Si tu peux faire des petites animations très rapides. En gros, tu rajoutes des frames et puis tu peux faire des petites animations. Et ça, c'est sympa. C'est très rapide à faire. Je connaissais pas à l'époque ce petit site. Bah, je sais pas tout ce qui sort, hein. Mais en vrai, je pense que tu peux faire large la même avec Photoshop si tu paramètres bien. Mais j'ai essayé de paramétrer pour faire du pixel art sur Photoshop, mais c'est casse-couille. Du coup, j'ai dit, bah, t'as trouvé un truc en ligne, tu dessines. En plus, tu peux copier-coller des images. Ça te les met directement, tu peux resize facile, tu peux enregistrer depuis ton navigateur, ah, ça c'est plutôt cool. Donc tel 7, on a dit. En fait, on en a déjà. On peut faire chargement rapide. Il s'appelle Room. Je crois qu'il s'appelle Donjon. Pas perdu, c'était l'autre. Il s'appelle Room. Voilà, là on a plein de trucs dedans. On clique sur Room. En fait, on ajoute. Image de asset mytileset qu'on a mis et ça va être the floor. Ensuite, hop, on zoome un peu dessus, on crée une nouvelle tuile qui dit que c'est tout ça et c'est tout. Voilà, pas besoin de faire plus, pas besoin de collision, pas besoin de rien, pas besoin de quoi que ce soit. Hop, et quand on retourne dans floor, on va avoir voilà, là ici et voyons. Wéon, wéon, viens, 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 hop, hop, hop. Pas si ça marche par contre, hein. C'est long sur Photoshop. Bah si tu le dis. Oh! On a plus le personnage. Oh! Ça change rien du tout. Et on a plus nos portes. À l'aide. Ok. Tac, on vire contour. Et en fait, c'est normal parce que dans Z-index, on met en genre moins 2. Et reload. Ouch. Au début, après, ça allait tout seul. Bah ouais, si t'as des paramètres rapides, ouais, ça pique les yeux. Pour, comment dire? Photoshop un logiciel de pixel art en fait Photoshop ça prend trop de ressources alors là c'est un site bon sur navigateur du coup c'est pas excellent non plus mais on est quand même pas mal et tu vois avec le principe de faire le truc en blanc c'est que je peux changer la couleur du sol en ce que je veux ça fonctionne voilà. On peut mettre du sol de n'importe quelle couleur et je peux l'assombrir à ma guise. Bon, il faut que je reload évidemment parce que c'est une génération. Tac, voilà, on a un petit peu mieux. Du coup, voilà, j'ai fait des mobs avec un œil de Sheikah sur la tronche là. C'est rigolo. Voilà, on voit le petit cœur, on voit la lueur du cœur autour du truc. Et c'est là que, dans l'item, notre light va augmenter l'énergie à fond. Peut-être pas à fond, mais voilà.
On voit la gueule que ça a. Et du coup, il faudrait designer un petit truc. Faire un cercle en fait, hein, un cercle rouge. Texture scale, on peut augmenter la texture scale. Voilà, ça fait beaucoup. Tac. Si là on met opacité à fond, ça fait quoi? Ça fait que. Ouais, ok. Un peu énervé. Tac, on met la moitié. C'est pas mal. Franchement, stylé Godot Engine. Ah ouais, c'est super. C'est super cool, moi j'aime beaucoup. Et il y a la version 4 qui va sortir bientôt. Et à Skip, il y a des trucs de foufou dessus. Genre, des grosses mises à jour. Bah après, si oui. Tu fais généralement pas des petits changements si tu changes de Godot 3 à Godot 4. Tu vois. Il y a des changements sur les scripts pour que ça soit un peu plus mieux. Des performances sur les rendus. De la 3D qui va être hyper cool en termes de physique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur le mec qui en parlait? Les tilemaps, donc c'est ce que j'utilise, tu vois, j'ai mis des petites tuiles là. Ça va être remodelé pour que ça soit beaucoup plus performant et à l'avenir, etc. C'est plutôt cool. Du coup, là, tu vois, il me manque un quart de cœur. Bon. Pas trop comment faire en fait. Faudrait que. Quand le cœur est vide, bah, ça met un truc comme ça. Et quand on a la moitié. Que genre ça soit verrouillé. Pas trop. Ou alors je vire tout simplement contour. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et puis on peut faire ça très rapidement. Il suffit en fait d'aller ici, d'importer quelque chose comme picture, tiens. Comme picture. Donc dans le jeu, la 7, 23, hop, un smooth resize, ce machin, on s'en fiche. Ah, on va désactiver l'option Style Mode, voilà, pas besoin. Et en gros, nous, on veut dire que. Ah oui, mais c'est ça qui est un peu embêtant. C'est un templier pourtant partant en croisade ton perso. Ouais, je voulais faire une armure de paladin, tu vois. Tout c'est ça. Mais en fait, je ferais des genres de cosmétiques un peu dégueu. Parce que je sais pas faire. Et puis en gros, tu pourras avec l'argent t'acheter des petits skins ou des conneries du genre, tu vois. En fait, je vais essayer d'exploiter un max des mini fonctionnalités comme ça, tu vois. Et comme ça, je pourrais les refaire sur d'autres jeux plus tard. En mieux, forcément. Toujours plus mieux. En fait, là, mon petit dilemme, c'est quand, admettons, t'as max 3,4 de vie, tu vois. 3,25, pardon. Admettons, t'as un cœur complet et un cœur complet et un quart. Sauf que l'aspect dans le jeu. Ce qui te reste, ce qui peut te rester, voilà. Et le truc c'est, est-ce que, parce que tu peux te dire, ah bah il me manque trois quarts, si je chope un cœur par terre, je pourrais, tu vois. En fait, ça indique pas que ta vie max c'est jusqu'ici. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le jeu là. Il y a un cœur par terre. Tu te dis, oh chouette, je vais le prendre. Et c'est marqué vie max. Sauf que là, tu te dis pas, ah, j'ai la vie à max, tu vois. Je sais pas trop comment faire.
Alors, faudrait que je duplique le système de vie. Que je duplique le système de vie et que je mette un truc derrière. Mais en soi, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Quand tu prends le cœur, ça fait quoi? Bah, je peux pas le prendre. Ça marque vie max. Ma vie est à max. D'ailleurs, l'objet est devant le perso. Est-ce que c'est grave? Ouais, spécialement. Ah non. Là, j'ai la vie max. Je demande pas à trois quarts de cœur là? Bah, c'est ça le. Mon petit dilemme. C'est en gros, admettons, ta vie max, c'est ça. Je sais pas, t'as un bonus ou alors je me mets si tu peux pas avoir un cœur vois c'est un peu à la Zelda. À la Zelda quand tu perds des cœurs en fait t'as des cœurs en transparence derrière. Bah faudrait. Ouais, je pense en fait, faut que je duplique avec une sprite qui change. Ça te redonne pas une moitié de cœur, ça? Si, ça te redonne une moitié de cœur. Mais ma vie, elle est à max. Et là, j'ai dit à mon personnage, tu auras 3 cœurs et un quart de cœur. C'est pas un bug, c'est j'ai dit que la vie max, c'est ça. Mais comment? Admettons, tu vois, je sais pas, t'as réussi 10 donjons, tu t'as gagné un quart de cœur. Comment je peux faire l'aspect qui dit que t'es full vie? Et je pense, c'est ce que je pense. Je pense que c'est ce que je pense. Pas forcément logique, ça. Et du coup, c'est en fait dupliquer mon système de cœur et mettre un aspect en dessous. Le reste en haut à gauche devrait être en transparence. Ou alors tu fonctionnes que cœur par cœur. Non, que par des quarts c'est cool. Parce que c'est mieux parce que ça permet de ne pas avoir trop de vie, tu vois. Mais de prendre beaucoup de dégâts, tu vois. Parce qu'à chaque fois tu perds un seul quart. Ça fait plein de cœurs. Tu es, admettons, le premier mob, bah ça veut dire qu'il peut pas t'enlever un demi ou un quart. Il est obligé d'enlever un cœur. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de cœurs pour pas mourir. L'ennemi de base, s'il t'enlève un cœur, faut que les boss ils t'enlèvent 2, 3. Du coup, voire même 3, 4, tu vois. Du coup, ça fait encore plus de cœurs si jamais tu veux pas mourir à one shot. Non, je pense que le quart de cœur c'est bien, mais il faut que je duplique mon système de cœur. On verra bien par la suite. Juste faire un cercle. Comment je peux faire? Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, si je mets en transparence le vide là, bah, ça veut dire que si j'ai plein de cœurs, admettons, on va faire un petit test. Et que je perds de la vie. Ouch, 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 ouch. Bon, laissez-moi partir par contre. Hop. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que tout ça c'est en transparence et ça indique pas que c'est le max quoi. Je pense sur mon système de cœur de base. Il y aura vraiment uniquement le rouge, tu vois. Et je le duplique, et le truc de derrière, ça sera uniquement les bordures. Ça. Et en gros. Ouais, bon, on verra plus tard. Ça me casse la tête. Hop, là, tu vois, je peux récupérer le cœur et ça m'a redonné un cœur de cœur.
Faudrait une transparence très légère, limite que bordure vide signifie que c'est la vie pas débloquée. Ouais, mais en fait, c'est ça fonctionne, mais il faut que je le fasse sur deux épaisseurs et que je dise que bah, l'un c'est le remplissage et l'autre c'est le fond. Parce que le. Sinon, bah, sinon c'est le même problème en fait. Que ça soit tout noir ou tout transparent, une fois que ton cœur max, et bah, il n'y a que un quart de rempli. Ton dernier cœur est que un quart de rempli, bah, il va être quand même transparent l'autre. Sauf que tu peux pas y aller de tout de même. Et ça voudrait dire que quand tu perds de la vie, tous les autres cœurs sont transparents. Tu vois, ça marche pas. Faut dupliquer le système. Bon alors, il y a les mobs. Bon allez. Le bâtard. Bang bang. Voilà, on va laisser le petit reflet de cœur, c'est rigolo. J'aime bien le système de cœur. Quel jouet souci, ouais, c'est ça. Là, il faudrait que je fasse le petit cœur, mais en mode fondu. Il n'y a pas un logiciel autre que Photoshop qui fait des fondus. Là, je peux pas faire de transparence. C'est ça qui est un peu chiant là-dessus. Un peu relou. Pas effectué de transparence, il me semble. Like a sélection de to move my switch buzzer layer frame. Ah, c'est sympa ça, c'est-à-dire que je peux faire ça. Ah, ok. Sympa. C'est cool, ça me prend une forme et je peux déplacer la forme et puis du coup compléter des trucs. Sympa, ça me sert à rien, mais c'est sympa. Waouh. Là, je peux pas changer d'opacité. Non. Comment je peux faire? T'as pas un petit logiciel rapide? Paint, il le fait pas. Paint 3D peut-être, ils font ça eux. Les fichiers. Hop. Voilà, jeu asset. Ouais, je vais reprendre ça, tant pis. En gros, faut que j'augmente. Rogner, je peux pas rogner dans l'autre sens? Non. Naze. Si, opacité. Gérer l'opacité. Ah, je peux faire ça peut-être. Hop. Opacité à fond, par contre. Et même ça. Ah ouais, mais ça marche pas bien. Non, c'est naze. Je peux gommer? Voilà, c'est bien ça. Épaisseur. Tac. C'est parti en couille. C'est parti en couille. Voilà, hop. Je refasse mon cœur. Putain! Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte en couille? Tac, tac. Et même pas, ça fonctionne même pas ce que je veux faire. Faut que j'augmente la taille du truc menu. Je peux pas augmenter la largeur? Stickers, effets, zone de travail. Oh. Ah si, je peux. Tac. Je peux pas déplacer ça. Voilà, parfait. Oh, on tient un truc là. Le
le pinceau. Tac, tolérance, 100%. Ah. Tolérance, moins que 15. 2. Oh, il y a un truc là. Voilà. Super. Ensuite, c'est quoi ça? Marqueur, pinceau, marqueur, c'est bien. On va essayer de faire un truc. Tac. Voilà. Ensuite, opacité, on diminue l'opacité. Voilà, ensuite on diminue l'opacité. Ah oui, mais ça marche pas comme ça. On met l'opacité très faible. Et on fait tout le tour. Voilà, on refait tout le tour, mais un peu moins loin. On fait tout le tour, mais un peu moins loin. Ça me casse les couilles. Comment on fait pour faire un dégradé de merde? Putain, ça me casse les couilles. Métal terni, c'est quoi ça? Et en maths, m'en fous. Peine 3D, bah ouais, mais c'est censé être rapide à faire. Ok, si je fais ça. Mat, brillant, poli, remplir, type de remplissage. Ni, aucun. Y a pas dégradé? Putain, je suis pas envie de Photoshop. Bon, bah oui, Photoshop. Je crois Photoshop, il marche même plus en plus. Y a pas un logiciel rapide qui fait ça? Pourquoi ça marche pas? Ah, je suis en mage. Oh. Bon, en attendant. En attendant qu'il s'ouvre. Toi, arrête, arrête ton animation, s'il te plaît. Stop. Voilà. On a dit les mobs c'est ok. On va faire le boss, il est où le boss? Ennemis. J'avais fait un boss avant, il est parti où? Il est là. Ah oui, d'accord. Ok. Super. Oh! Ça finit de charger. Hop. Allez, Mimi, là, excellent. Ouvrir. Ils sont où les cœurs? Jeu. A7. Celui-là. Ah, ouais, c'est juste pour choper la forme. Choper la forme. Alors, édition. Non, c'est le calque. Le travail, on va l'augmenter. En pourcentage de 200%. 200%. Voilà. Parfait. À partir de là. On va dupliquer ça. En vrai, non, on s'en fout un peu. Je sais pas.
On va faire un cercle, je pense. Bon. Et ensuite, on le déforme. Tac, fond. Je peux pas mettre. Si, on peut mettre un gradient dedans. Tac. Tac, linéaire, pas du tout. On le veut radial. Ici. Ici, on veut une opacité de 0. Pas fini, pourquoi tu t'en vas? Et ici, ah merde alors, 100, je veux pas blanc. Putain. Ah, je sais plus utiliser Photoshop moi. Ah mais pourquoi y a tout qui se met sur l'autre? Je veux quoi comme couleur moi? Je veux du rouge hein. Après je peux très bien mettre du noir. Et dire qu'en fait ça fait du vert dans le bleu. Ou alors faut du blanc. Je sais plus quelle couleur il faut. Chier. C'est quoi on va prendre que du blanc. On va prendre que. Oh. C'est quoi toi? Non. Non. Putain. Oh, faut que je recommence. Putain, casse les couilles. Alors, tout pioup. Puis on va le mettre à 0. Bah, à chaque fois je fais entrer comme un connard, alors qu'il faut pas. Là la couleur ça va être blanc aussi. Juste que. La tête. Ouais, ça marche pas bien. Oups. Pourquoi ça fait pas comme je veux? Ça va? Bon, ça me casse les couilles. Compliqué pourtant. Et juste baisser l'opacité du calque de base. Bon, en fait, je vois plus. Je vois plus si on enlève l'opacité. Je sais pas pourquoi il y a un contour en plus. Contour 0%. Après, c'est bien comme lumière, tu vois, mais. Le blanc, il veut pas aller plus loin. C'est comme ça qu'on fait normalement. Si, je suis presque sûr. En plus, c'est sur la télé, c'est si loin. Dégradé. Contenu n'est pas directement modifiable. Super. Fuck. Voilà. Mise à échelle 100%, aligné avec le calque. Ouais, ok, attends, faut que je regarde si j'ai pas des. Il est quelle heure là? Putain, 17h25 déjà!
Ça me saoule, ça veut dire que dans 20 minutes je dois arrêter pour aller au sport. C'est combien de temps que je stream là? 2 heures. 2h10, fichier. Ça me saoule, le temps il passe trop vite. Hop, vas-y, on masque ça et on prend ça. Exportation. Rapide format PNJ. PNJ. Allo. Light allo, hop. Tous ces petits sont longs à faire. Tous ces petits. Les petits quoi? Alors, tout ce qui est petit, c'est long à faire. Ah, tous ces petits trucs. Effectivement. Effectivement, c'est un peu chiant. Voilà, on va changer la texture. Ça, c'est pas beau. Charger. Asset. Halo lumineux. Voilà, admettons, on lance. Tac. On goom, là. Oh! Eh, c'est mieux tout de suite là. C'est un peu gros. 0,5. Ouais, et du coup la couleur. Voilà, on peut mettre les couleurs à max et du coup on met 0,2. 0,2 c'est tout petit, hein. Faut pas déconner non plus. 3. On va mettre le light accroché au sprite. Voilà. Oh, on voit plus. Pourquoi on le voit plus? Oh, wow, un streamer qui lobe son jeu en live. Wow. Eh oui, c'est fou ça. Et le lot auto 81, comment ça va? Moi, je suis un peu un foufou, ouais. Je suis un peu un foufou. Pourquoi ça a disparu là? Pourquoi ma light est disparue alors que juste avant c'était bien? Ouais, toi, ça peut aller. J'ai un peu le seum parce que je vais bientôt finir. Eh, ça veut. Mais ça veut. Il y a plus du tout! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai activé un truc et. Moteur de jeu, c'est Godot. Godot Engine, dont la version 4 va sortir bientôt. Ah, vas-y, ça me casse les têtes. Je connais pas. Bah, c'est pas trop connu en vrai. Mais ça se concrétise? Pas du tout. Démocratise? Voilà, c'est ça. Un petit peu plus. Avant, j'étais sur Unity. Bah, Unity, c'est bien, mais. Godot, c'est mieux. Unity et Unreal Engine, effectivement. Non, c'est les deux plus connus. Et merde, j'ai mis pause. Putain! Effectivement, ils sont plutôt cool. Mais en vrai, pour faire des petits jeux, c'est pas trop le giga top, quoi. Ah, voilà! Voilà, c'est bien ça. Ça, si je mets un char à côté. Le clair aussi, c'est bien. Hop, voilà, c'est bien. On va pas s'embêter. Je vais peut-être t'étonner, mais moi aussi, je suis développeur. Mais non! Je suis étonné! C'est un truc de fou! Et genre tu développes quoi comme truc? Hop là, je reset la map, je suis un fou. Un foufou. Ouah, celle-là, elle est maudite, la salle-là. La violette, c'est là où il y a plein de mobs. Bang, 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 bang.
Ouais, faut que je règle le problème de cam. En gros, si tu dérègles la cam, c'est trop chiant de régler. Ah bah non, c'est bon. Moi, je suis à la base. Dans la base de la 3D, j'utilise aussi un moteur de jeu pas très connu, c'est le logiciel de développement de jeu 3D le plus facile du monde. Il se nomme Coppercube. Et c'est sorcellerie de Coppercube. C'est pas de la merde, hein. Fait peur. Easy to 3D Engine. Coppercube 6. Vas-y, on va voir sur Steam. Ça, c'est gratuit. Refusé. Hop, moi je suis un fou, moi. Ah ouais, on dirait un genre de Suitome 3D, mais pour faire des jeux, c'est ça? Tu fais vraiment des jeux avec ça? Mais leur site, c'est quoi? C'est Amredia? Amberia, pardon. Et là-dessus, tu fais des jeux. New, tuto, démo, y a pas démo. Pour plus d'infos, je peux même pas cliquer sur les images. Features. Aussi, si tu utilises 3D Engine, Windows, machin, Fastigl, Click Web, App Deployment, Terra Editor. Et ça fait longtemps que tu devs là-dessus? Ou dev tout court? Open source, waouh! C'est écrit en quoi par contre? Dev en quoi là-dessus? Hop, hops. Ok. Alors si t'es pas dingue, hein. Alors si t'es pas fou. No royalties, no revenus, Windows machin. Ah oui, ça fonctionne à la Unity quoi. 2021. Ouais, ça fait un an quoi. Ok. Et en termes de développement personnel? C'est bizarre comme ça. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse un boss. Je fasse un boss. Ça, je le duplique. Clic. Boss. Ouais, boss, tout simplement. Tech. Bon, à l'époque, les jeux, je les faisais en 5 minutes car j'étais débutant dessus, mais maintenant, j'ai plus de compétences, donc il me faut des mois pour les développer. Ah bah, c'est normal. Voire même, les dernières années, mais ça dépend les jeux, quoi. Yash. Yash. Et tu devs depuis 2021, tout court? Ça? Si ça duplique ça, on va renommer ça en boss. Voilà, ça en boss. Et ça. Oh! Boss. Sur mes deux. Les tout premiers jeux. Ah bah ouais. Ouais, tout seul. Ouais, je suppose que t'es tout seul, mais je suppose, je sais rien. Hein. Mais je veux dire, tu dis oui, peut-être à ma première question. Et tu rajoutes une information supplémentaire qui est oui, qui est tout seul. Pas besoin de chase pour le boss. Si. Le boss, la scène, boss. On regarde la scène du boss. C'est ça, plus tous ceux qui le veulent. Ah, je peux pas scale tout d'un coup.
Ah, naze. Là, à l'heure où je te parle, je suis dessus. Je suis en train de faire un jeu d'horreur. Ou un jeu d'horreur en 3D. Stylé. Et t'en as fait beaucoup des jeux ou pas? Ah oui, je peux pas faire ce que je veux. Bah, je savais que sur ce logiciel, je c'est que mon. Ouais, j'ai fait les tutos de base quoi pour apprendre à le manier. Mais après, on va le mettre en 1.5. Oula, 15, c'est trop. Perm! Ouais, t'as bossé. Énorme. Lightbox. Sperm. Non, peut-être pas quand même. Pas quand même. Du coup, plus rien qui va. Hop. Parfait. Et collision peut être un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est le boss. Et là, ah bah oui, du coup, il y a Viewer ici. Là, il s'appelle Viewer. Alors, renommé boss. Et en vrai, Godot, c'est très pratique, mais je sais pas si tu fais des jeux en 4K, de trucs de ouf. C'est que STPN avec Copper Cube, c'est que pour faire n'importe quoi, il n'y a pas de code. T'as juste une interface avec tout le jeu, derrière les objets, et sur les côtés, t'as des boutons pour faire des actions particulières. Ah ouais, c'est un truc mode Scratch et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que tu peux être un peu limité dans ce que tu veux faire. Mais je pense que pour faire des jeux solo, c'est quand même pas mal. Pas comme Scratch non plus. Oui, mais voilà, c'est pas. Il n'y a pas de code, quoi. Rendre unique, pas du tout. Chargement rapide. Hop, et lui. Collision patati patata, peut-être patata, et je pense qu'on est pas mal. Pourquoi la scale de notre collision est bizarre là? Ok, bon, c'est pas grave. Oui, mais si on est très avancé, on peut se référer à la documentation du logiciel pour pouvoir utiliser des scripts Java. Ah oui, d'accord, ouais, tu peux quand même utiliser. Tu peux quand même coder dessus, quoi. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec Godot, c'est que bah, tu devs, donc tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Mais c'est très simple. Ils ont leur propre langage. Et en gros, tu veux déplacer ton personnage, t'as une fonction qui s'appelle move and slide. Et en gros, tu dis, bah si tu appuies sur cette touche, tu augmentes la vélocité. Et tu fais la fonction move and slide, ta vélocité. Et zoup, ton perso se déplace. Et puis tu peux mettre move and collide. Et du coup, ça va faire. Ça va te renvoyer une information de collision avec certains objets. Etc. etc. T'as plein de systèmes de layers, de masques, qui rendent les trucs de collision faciles. Et il y a plein de. Il y a tout un délire d'embriquement. D'imbriquement de nœuds, en gros. Et tu peux rajouter plein de trucs de tout ce que tu veux. T'as énormément de choses. Mettons, tu tapes Collider, bah t'as plein de trucs. Semiotic body, etc. Rigid body, static body, y a plein de choses. Et c'est très très simple. Et encore plus loin, avec des extensions et en modifiant un peu le code source du logiciel, tu peux transformer l'outil de script Java en outil de script C++.
Oui, bon, c'est pas super utile, mais c'est vrai que C++ est un peu plus adapté, je pense. Parce que Unity, c'est quoi? C'est du C Sharp. Ah, c'est du C Sharp. Mais c'est un du C. Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer un ou deux jeux. Bah, en vrai, pourquoi pas? Je sais pas si je les testerai, tu vois, je regarderai juste un peu la gueule qu'ils ont. Parce que j'ai pas forcément le temps. D'ailleurs, il est quelle heure en parlant de temps là? 7h41, ok. J'ai une petite séance de sport là, mais je sais pas quand est-ce qu'elle est. Peaceful Atmospheric Video Games Music Volume 1, 2h45. Bam. Wow. Des boîtes quoi. Bon alors, on a notre fat Sheikah là. Faut que j'aille dans mon petit script de Rooms. Et toupidoupidoup. Boom. Le boss 1. Non. Le boss, il va dans Characters, Enemies. Pourquoi ça m'auto-complète pas là? Auto-complète-moi. N'arrive pas, c'est pas grave. Scenes. Voilà. J'ai mon Twitch. Yes, merci. Après, tu peux rejoindre le Discord normalement. Tu peux m'envoyer ça sur le Discord. Comme ça, si tu veux balancer en public, tu peux. Tu peux. Boss, boss, boss. Voilà, on fonctionne avec les timelapses, c'est plutôt cool. Spawn enemies. Si c'est la boss room. On des ennemis 15. Ah, ouf, moi. Et on met celui-ci. Comment je sais que c'est la boss room? Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment je me suis démerdé. Y a pas de bot ou de modo qui se peut lire. Non, normalement non. Hein. Normalement non. Alors, on va utiliser le code triche de qui s'appelle caméra. C'est pas trop un code triche parce qu'en fait, le labyrinthe, ça reste un labyrinthe. Évidemment, le donjon est généré aléatoirement, ce qui fait que c'est complexe. Et en fait, ça bug en haut à droite parce que bah, ça bug. Ça bug. Putain, mais c'est la salle de base, ça, non? Poussez-vous. Voilà. Ah, voilà, l'escalier, on va au milieu, pop. On arrive à l'étage supplémentaire. Bah, supplémentaire. Étage du dessus. Voilà, on voit l'escalier, hop. Quoi? Oh non, faut pas que je meure. Ok. Pas de rien pour ton serveur si tu fais ça, je dis Escamas sur Discord, il est pas dans le titre du stream normalement? Si c'est même dans le titre du stream. Bon, le truc de zoom, il faut que je le limite hein, une fois qu'on est dans le donjon. Pas déconner non plus. Et là, normalement, ça c'est un peu chiant, mais. Ah, on est toujours pas arrivé? Ben non. Ah merde. Faut que j'en tue un petit peu sans prendre de dégâts. Parce que. Faut que je récupère de la vie. Voilà. Bon, pour le moment, ils ont 100% de chance de drop. Putain. Mais évidemment, ça sera corrigé. Enfin, c'est pas forcément un bug puisque c'est moi qui l'ai mis manuellement. Bon, genre, la vie de base. Ouais, de Zeus. J'en vais. Ah, voilà, hop. Là, normalement, on est à la fin. Du coup, ça va être des salles. Voilà. La salle de boss. Sauf que c'est pas le boss qui spawn dans la salle de boss. Et en fait, le problème, c'est que. Voilà. Notre salle de boss, c'est pas une grande salle de boss. C'est juste un donjon généré. Mais qu'avec des salles de boss. Et un escalier. Il faut que je le vienne.
Parce que genre t'as les règles, c'est écrit que la pub est interdite. Dans les règles de quoi? De chat Twitch? Discord? Dans ton serve? Non, tu peux, genre c'est pas trop de, c'est pas de la pub quoi. Bah, attends, en vrai, tant qu'on n'est pas énormément à poster, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que je trouve pourquoi ça pop pas. Ça pop pas le boss dedans. Attends, hop, tac, tac. On peut le mettre dans. Dans quoi? Dans jeux vidéo? Tac. Je suis développeur de jeux vidéo. Pour plus d'informations, contactez-moi. Waouh. Pas un petit site? Non. Quel salon? Ouais, jeux vidéo. Jeux vidéo, tu peux mettre les tiens. Il y a beaucoup beaucoup de Warframe sur le serve. Alors, attends. Pas de problème. Boss. Pourquoi la salle boss peut pas le boss? Tout simplement parce que. En vrai, je pense que je vais devoir y aller là. Attendez, je vérifie un truc. Vérifie un truc, c'est moi. C'est pas follow aussi, hein. Ouais, c'est 18h30 le sport. Ok. 18h30, 18h30. Qui dit 18h30 dit 18 et 30. Ok, ça m'avance pas beaucoup. J'ai 10 minutes pour y aller, il est 50. Merci! Merci pour le follow. Encore un et on est 400! Ouais! C'est dur, hein. C'est dur à monter les 400, hein. Putain. Surtout que ça redescend, genre. Tous les jours ou 2 jours, il y en a un en moins. Alors ça m'aide pas beaucoup. Que j'arrête là pour aller au sport. Je pense que ouais. Hein. Sinon, je vais prendre trop de temps à couper tout. Juste checker vite fait ça en 5-10 minutes, un petit peu moins. Et ça va couper un petit peu vite, mais c'est pour la science. Voilà, j'ai posté. C'est que ça. Bon, j'ai autorisation de tenir pour poster un lien ici. Ayez crainte, car il n'y a aucun logiciel malveillant dedans, ça ne sert à rien de hack chez les gens. Votre antivirus bloque mes jeux, car ce sont des jeux exécutables et la majorité des virus sont cachés dans les exécutables. D'accord. Tac, tac, tic, tac, tac. Ok, et du coup, ça, c'est ton jeu d'horreur que tu taffes actuellement, c'est ça? Ah, jeu d'horreur, je ne sais pas, non. Je regarderai, mais. J'aime pas, ça me fait peur. Ça me fait peur, le jeu d'horreur, j'aime pas avoir peur. Alors, salle de boss, pourquoi le boss pop pas? Celui avec le mec et les yeux. Ouais, c'est celui-là. Fait peur celui-là. Ouais. Je regarderai un petit peu. Merde, perdu, c'est bon. Accès, c'est celui que j'ai, d'accord. Ok, du coup, là c'est une pré-release. On dit quoi? On va dézoomer un petit peu. Ça, c'est ma génération de donjons aléatoires. C'est une petite introduction du jeu aussi. Je regarderai. Et en fait, si on est au dernier, ça prend la dernière salle.
Et si on est le dernier truc, Slime Bossing, bon, ça s'appelle Slime Bossing, mais c'est pas grave. C'est le boss. Et en fait, la spawn ennemise, si c'est boss room, et à quel moment on dit que c'est boss room? If boss room. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, parce que en fait dans ma boss room, attends, où ma boss room? Boss room ici dans ma boss room, il faut que je coche que c'est une boss room. Eh oui, et j'ai mis nombre d'ennemis 15, mais je suis un fou en fait. Par contre, si tu comptes y jouer en live, bah essaye de pas te spoil. Avec les deux vidéos, t'as pas jugé. Parce que sur la page du jeu, t'as mis deux vidéos par rapport au jeu que t'as fait. Et du coup, c'est ça qui bloque, c'est ça. En vrai, on va bidouiller le script. Pour dire dans Rooms. Si c'est égal à 1. Est-ce que ça merde si je fais ça? Oh damn. Il faut que je trouve l'escalier. L'escalier. Ça. Faut que je fasse aussi que quand tu rentres dans une salle, tu puisses pas. Oh, escalier. Ok. Et là. Ah merde alors. Ok. Bah un gameplay fait par moi et un gameplay par un autre streamer. D'accord. Attention alors. Mais je sais pas si je le ferai en live. Hop. Et du coup, ouais, ça fait combien de temps que tu développes le jeu là? Ici, soit. Et explosion, putain. Ouais, faut que je garde 3 ici en fait. Que sinon il me explose. 3 semaines, ok. Quelle heure là? Je me dépêche. Faut que j'ouvre la sortie vite. Ouais, c'est pas si simple, hein. Ça m'étonnerait que ce soit si simple. Ah, c'est marrant parce que les patterns du. Oh putain, faut que les goûts m'embêter. Hop, max. Et les patterns des donjons, ils sont un peu similaires. Mais c'est jamais les mêmes connexions entre chaque salle. Tout est aléatoire. Et j'ai galéré à faire un truc aléatoire, putain. Si chaud. Parce que faut énormément de conditions. Mais merde, je suis passé, moi. Oh! Let's go. Hop, et le dernier ici, non, les goumeux. Putain, mais ici il me touche, ça sert à rien, il m'enlève un quart de cœur. Putain, je trouve ça vite fait, il est quelle heure 55? Ça va être tendu, ça va être tendu. Il va falloir que je sprinte. Je sprinte de ouf. Alors, la salle verte, c'est le spawn. Les salles rouges, c'est tout ce que. Oh, un petit cœur qui restait. Merde. Et les salles rouges, c'est un peu les. C'est les maisons de monstres à la Pokémon. Oula. Oh. Ouais. Passer les caractère GD. Write to assign value of type push
FSMGD to a variable of type character. Ah, baby! Ah, je suis débile. Débile. Chargement rapide. FSM, boss. FSM. Et ici, en fait, j'ai mis... que ça me fait chier. Voilà, ennemi, enemy scenes. Ça, c'est bon. Mais fuck, ça veut dire que je dois y retourner? Oh, ça m'énerve. Putain. Je peux pas tricher et verrouiller les... Player. Non, ça va être trop chiant. Ok, bon, en tout cas, ça devrait fonctionner. Mais ça veut dire qu'il y a des boss... À chaque ouais bon je bidouillerai plus tard ça je bidouillerai plus tard ça marche ça marche ça marche on bidouillera ça plus tard hop transition spam et ensuite je mets mon écran de fin parce qu'à chaque fois je l'oublie voilà bon merci merci Auto bah, d'être passé et puis tu follow merci je regarderai un petit peu ce truc. Mais je préfère le moteur de jeu, tu sais, où tu connais un peu. Parce que j'aime bien développer, ça fait, t'as fait la réflexion et tout. Et puis t'es plus libre. Voilà. Du coup, là, merci. Là, il faut que je me crouille de couper tout parce que je vais au sport. Ensuite, je vais aller à la gare chercher quelqu'un, donc c'est un peu le bordel. Des bisous, les gars, merci. Et puis, peut-être pas ce soir, je sais pas. Mais en tout cas demain. Demain après-midi, j'essaie de stream les après-midi, mais ça me prend du temps phénoménal. Phénoménal. Du coup là. Merci et puis à bientôt. Ciao ciao!